Salut les Spartiates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir comment avoir chopé toutes les caisses oranges. Il y en a 24 dans le jeu en tout. C'est très simple, vous allez voir. Donc, il suffit d'aller sur tous les points que je vous ai indiqués sur la map, qui sont indiqués sur la map plutôt. Vous regardez en l'air, vous shootez la caisse et vous lootez le loot. Ça va vous permettre d'avoir toutes les teintures du jeu. Sachez de suite que c'est resettable, donc vous pouvez le faire toutes les 24 heures. Donc il y a 24 caisses, toutes les 24 heures, à chaque fois vous avez une teinture, donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Bien sûr, je ne vous ai pas mis dans la vidéo les emplacements des 24 caisses, sinon ça durerait trop longtemps. Et puis je trouve que c'est plutôt sympa de chercher et de découvrir soi-même. Donc je vous ai mis dans la description le lien des 24 4 caisses, tu as une petite carte jolie. Donc c'est un article qui a été publié par Nextage, un super site. Je vous invite à y aller, à les mettre en favori. C'est vraiment de la bombe. Voilà, je suis pas sponsorisé par eux, rien du tout, hein, je commence à peine. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui like les vidéos, qui partagent et qui commentent. Merci de vous abonner, de me soutenir. Je commence tout juste. Donc votre soutien est précieux. Voilà, si vous avez des conseils, des astuces pour que j'améliore la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas, hein, vous les mettez en commentaire, ça m'aide. Le but c'est de vous donner toujours plus de contenu, de vous aider. Voilà, autre chose, pour les caisses, quand tu tires dessus, le loot va tomber et il se peut que tu aies tout un détour à faire comme là pour les ramasser. Donc c'est sympa, faut réfléchir, il y a toujours une solution pour l'attraper. Des fois faut faire le tour, des fois faut passer par-dessus, etc. Donc c'est super sympa, je te laisse découvrir tout ça. Hein, joue le jeu à fond, c'est super sympa. Tu peux les faire toutes les 24 heures et ça va te permettre d'avoir un maximum de teinture. Je te prépare plein de vidéos à venir. Je te laisse avec la fin de la vidéo. J'en ai chopé 3, tu verras. J'ai fait des petits screenshots, des petites danses, je me suis éclaté. J'adore ce jeu, il y a énormément de contenu. Donc voilà, je suis vraiment content de te partager tout ça. Je te prépare du lourd à venir, tu vas voir, tu vas adorer. Surtout une astuce de folie qui arrive là. Et bah voilà, si ça te plaît, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes surtout pour me soutenir. Et on est sur Twitter aussi, je te dis à bientôt. Je te laisse avec la suite de la vidéo, ciao ciao. L'élimination de la Rébarrette est sûrement l'une de nos plus belles victoires. Mais même sans elle, les Rikers restent dangereux. Ils sont dingues, ils sont agressifs, et ils se foutent des conséquences tant qu'ils passent une bonne journée. Sans Barrette pour les diriger et les motiver, ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et du coup, on peut les contenir.